Les infirmières étaient formidables. Et elles m'ont soutenu, elles me tenaient le bras, et tous ceux qui passaient pour la chambre, parce que bon, il y avait naturellement le nettoyage tous les jours, la désinfection des poignées, des robinets, etc. Bon, tout le monde était masqué avec les blouses et tout, et personne ne rentrait sans l'équipement. Chacun avait un mot, quoi. Un mot, ça va mieux aujourd'hui, ayez confiance, ça passera, etc. Quand je l'ai remercié, il a dit, vous devriez remercier surtout le médecin d'Alkirch. Parce que s'il n'avait pas eu ce réflexe, et si vous avez encore gardé à la maison une nuit, il m'a dit, c'eût été certainement la nuit de trop. Donc je ne m'en serais pas sorti du tout. Donc je rends aussi hommage à ce médecin local qui a eu ce réflexe, qui est venu, et que je prends naturellement médecin comme médecin traitant, ça va de soi, mais qui a eu ce réflexe, qui a d'abord accepté de venir. Hein, dans le quart d'heure, 20 minutes, il était là, et puis qui a tout de suite fait le diagnostic, qui a fait le nécessaire pour trouver une chambre à Mulhouse, et qui m'a aussi sauvé la vie. Hein.